Mais il faut approuver. Je vous dirais que Fally a deux dates en Europe. Un concert à Lyon et l'autre à Bordeaux. Mm-hmm. Jusqu'à aujourd'hui, pas de sold out. Vous comprenez? Okay. Non, il a des fans, mais qui n'arrive pas à lui donner un sold out dans les délais. Mais ma grand hôte, bon, à la poteau, au sein de Nino, au sein de Gims, au sein de sold out, l'espace est à 24 heures. Mm. Il y a un jeune musicien qu'on appelle Taïk. Il est camerounais. Camerounais d'origine. Il a un concert qui doit livrer au mois de novembre 2024. Paris La Défense Arena. La U Arena. Mm-hmm. Mais il a déjà fait un sold out que le Congolais Fally n'a pas fait. Donc, on va populaire Kagana Rolo. Là, vous confirmez que Fally n'a pas fait sold out là. Non, Fally n'a pas fait. Fally a fait à peu donner à ses mélomanes à niveau à Genève Arena. Donc, deux shows différents, uh-huh. deux événements qui se diffèrent. Uh-huh. Bateau, Bazaki, peut-être na Paris. Okay. C'est le moment de se rattraper na Genève Arena. Donc, Ferré reste égal à lui-même. D'ailleurs, il ne se prononce pas. Okay. Aucune sortie médiatique. L'homme est resté serein, concentré, motivé et déterminé. Et j'ose croire que Genève Arena sera une totale réussite pour l'artiste Ferré Gola. Bon, on verra la suite. Ouais. Mais il y a la même date normale, les 10, les 11, la date normale. Ouais. Donc tout le monde peut vaquer à ses occupations. Uh-huh. Donc il y a un affrontement parce que un concert ouais. normal, un festival, il y a un jeune talent, il y a un programme. Ok, voilà, ouais. Je remets le bas. C'est pas un festival. Non, c'est pas la télé, les Zali Congolais, les Zali culturels. Il y a un de ceux qui sont les Zali Bongo. C'est une initiative à louer, en tout cas, encourager, parce que le lot, bah, j'ai les ils ont manqué opportunité okay. de se propulser, mm-hmm. manque d'encadrement, et voilà. Il y a des talents gâchés comme ça. Mm-hmm. Détail. Ça, c'est une très bonne question. Okay. Bon, c'est une question qui mérite plus les serviteurs de Dieu. Mm-hmm. On m'a dit, bah, prophète, mais mon arrêté. On okay. a prière, on a voyanté. Bon, on a la spiritualité. Comment le spectacle au pasteur Moïse Mbi a passé du feu. Bon, je me demande, ils abana ina, ils allaient leur mot préparer. Et voilà, on m'a dit habillage ou okay. Les hommes cagoulés, la ba flamme ouana et tout. Et si vous, tout le monde a ce genre de pratiques, mingi dans les événements, ils ont plus païens. Okay. Et on m'a dit, c'est pas tout chimique, on l'a dit, non, les alliés, démonstration, illumination. Et c'est la franc-maçonnerie et tout ça. Moi, je suis là pour décortiquer en haut clairement que Isaac est Ndoki, ainsi de suite. Et puis, il faut soutenir une chose. Moïse Mbi a bénéficié du soutien de beaucoup de pasteurs. Ces billets ont été vendus dans l'église de Béli. Okay. On a sang précieux. Philadelphie également. Et pas Joël Francis, Mukuna. Vieux Mutombo. Donc, bah, t'es qu'un poste quand même, bah, t-shirt, ils allaient personnaliser. Voilà la marque Ferré Gola nous a donné. Eau de Gaulois. Eau de Gaulois, ils allaient marque parfum. Et puis, style vestimentaire, PFR et Libisso. Et c'est comme ça, le véritable show business. Okay. Un artiste professionnel doit avoir plusieurs sources de revenus. Ok. Parce qu'il faut se maintenir. Un artiste, il a mis sur le lot, leurs vêtements coûtent trop cher. Ouais. Ils ont des villas, des maisons qui coûtent cher. Mm-hmm. Ils ont une équipe qui les accompagne, la sécurité, ainsi de suite. Musiciens, artistes, professionnels, il faut les mettre en ababa. Différentes sources et revenus. Mm-hmm. Donc, j'encourage beaucoup Ferré Gola parce que elle est sur marque et parfum. D'ailleurs, je vais les suggérer. Tout le monde a un magasin à Kinshasa, okay. Lubumbashi, l'Europe et puis partout. Et on va essayer quand même de s'en procurer. Ça demande monde qu'ils ont vraiment la qualité qui est aussi à la fidèle. Donc c'est comme ça, il faut quand même avoir cet esprit de soutenir nos artistes. Qui met encore une fois de l'avance et c'est très bien. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes. Vous qui nous suivez sur Congo SNG Plus Télévision, c'est bien moi, le votre Kevin. Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir. T'as maintenant nombreux qui me suivent en ce net moment. Merci. N'abandonnez pas ce moment qu'on a l'habitude d'y bander à Mboka, topé la 4 à Mboka. On a l'habitude d'avoir fait un fort à Mboka. Vraiment,
Nous sommes là pour vous informer, vous former, vous divertir. Même au Mesa Mossad, au Mesa Rosser, à la Bino, Tango Iso, Nabakati, à l'émission, à Bissot, aux Ali, à Ouapo, à Kobeta, à Maïmatali. La culture congolaise en général, la musique congolaise en particulier, on est au Tambo Labo, on a 4 émissions, émissions, on connaît l'eau. Torosim, à Bakouche, Nyonso, aux Ali, au Kola, l'actualité, aux Ali, au Tambo Labo, on a 4 émissions, on est au Tambo Labo, on est au Tambo Labo, on a 4 émissions, émissions, on connaît l'eau. Je dis un grand merci au général manager, papa Clovis, à Fimpa. Merci. Nassam Koukou, le nécessaire, qu'on fait fort à poter, maman Aimé Koukou. Merci également à Roi des Gaules, Vilangamako, Finakati, Amen. Et Mbote, on a tout, bah, on a mis partout, on a Bako, on a Bino respectif, Kola, Tambo Labino. Bozalawana kubana na biso ne banelikuru na suka boka maeto meme bino lokola information. Tozali Anna Jérémy Lemba wazali moko ba pandisango également un analyste culturel ne tokotambo la bon na katia Michel Michel mokona lelo. Tokati na ngambo e Jérémy Lemba. Bonjour Jérémy Lemba. Bonjour à toi Kevin Mohamed, bonjour aussi à toute la communauté de partout vous nous suivez. Clin d'œil spécial à mon frère Germain Mwanza, le colonel de Brazzaville qui habite les États-Unis d'Amérique, donc Germain Mwanza, nous sommes de cœur avec toi. Merci également à Yael Zombala de Madrid, les célèbres Dion Zundu à Washington, et pourquoi pas dire merci à cette grande dame, cette femme de cœur, Minindoumi, depuis Mouching là-bas, Banalmantou, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, Jérémy Lemba, bonne santé, activité au Kenya. Santé, tout va doucement. Activité, équilibre télévision, toujours sur terrain. On essaie toujours d'apporter un peu plus. Hein. Okay. Naba fanatique, Nabisso, donc on est là, tout va bien. Voilà, l'artiste Fer Egola qui va livrer son concert le 15 juin prochain. Tomoni accélération, ça a mis côté promotion. Tomoni batram et comme côté en la Suisse pour la promotion artiste. Déjà, amusé gros pour le marketing et le concert. Je dirais félicitations à Fer Egola, c'est le professionnalisme. C'est le haut niveau. Je comprends que l'artiste Fer prend en considération ces grands programmes qui est prévu pour ces 15 juin à Genève Arena. Donc c'est comme ça que l'artiste doit montrer sa force. Donc là, beaucoup sous-estimé, beaucoup dénigré, beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, Fer Egola fait mieux. On a senti quand même son équipe a tout changé, tout modifié. Donc c'est maintenant cette marque de professionnalisme qui nous touche. Voir la métro, la tram, au niveau de la Genève, faire la promotion d'un artiste africain, Fer Egola, pour ces grands shows, nga y salinga plaisir. Ok, ouais, Jérémy Lemba, est-ce que le lengue a procédé à la promotion à concert, vous avez pour na, le lengue en pleurs, ou a desserré les acquis, nango, na Genève, on dirait les amours pour la pénalité. Différence, on a fait? Non, Fer Egola a livré une double production à Paris, des Arena. Maintenant, ils ont cap vers Suisse. À Genève, certainement, il y aura d'autres, un autre show, d'autres invités, et puis répertoire à remodifier. Il y a des chansons au Batouba réclamati, Nadia Sarina, que l'artiste Ferré peut donner à ses mélomanes à niveau à Genève Arena. Donc, les amis, des shows différents, des événements qui se diffèrent. Bateau, Bazar qui peut-être na Paris. C'est le moment de se rattraper dans Genève Arena. Donc, Ferré reste égal à lui-même. D'ailleurs, il ne se prononce pas. Aucune sortie médiatique. L'homme est resté serein, concentré, motivé et déterminé. Et j'ose croire que Genève Arena sera une totale réussite pour l'artiste Fer Egola. Voilà. Mais quand même, Gaulois, à la paix, souple, parce que tu l'as dit, tout le monde a soldat avant l'événement. Tu vas se procurer quand même un t-shirt, ils allaient personnaliser. Voilà la marque Fer Egola nous a donné. Eau de Gaulois, ils allaient marque parfum. Et puis, style vestimentaire, puis Fer Egola. Et c'est comme ça, les véritables show business. Un artiste professionnel doit avoir plusieurs sources de revenus. Parce qu'il faut se maintenir. Une artiste, la Bissou Lolo, leurs vêtements coûtent trop cher. Ils ont des villas, des maisons qui coûtent cher. Ils ont une équipe qui les accompagne, la sécurité, ainsi de suite. Musiciens, artistes, professionnels, il faut les mettre en ababa. Différentes sources de revenus. Donc, j'encourage beaucoup Fer Egola parce que la Bissou marque un parfum. D'ailleurs, je vais le suggérer. Tout le monde a un magasin à Kinshasa, Lubumbashi, l'Europe et puis partout. Et on va essayer quand même de s'en procurer. Tout le monde qui a vraiment la qualité qui est au tigre à la fidèle. Donc c'est comme ça, il faut quand même avoir cet esprit
de soutenir nos artistes, qui est encore une fois de l'avance, et c'est très bien. Voilà, mais Jérémy Luemba, tout au qu'au fond, la parenthèse aussi, il y a Marc, il y a Parfum, il y a artiste Ferregola, Oezali, plus mentionné dans le combo, il y a fanatique, il y a Bagoulois. Et là, Pézali peut déjà stratégie à Malam, on peut tirer à Nico Balingara, l'artiste. Mais là, on peut aller déranger parce qu'on a évoqué le moment où on a zongé dans le vite fait. Il y a ça là, ma boutique, dans le magasin, pour a découvert la possibilité à Rosango, à Kinshasa, on a fait fond, il y a Mboka Nabiso Congo. Et Zali Moura Barré, après comme il y a artiste Fali, pour qu'on a avoué Bongo parce que l'artiste aussi a conçu une marque aux Zaki Attitude. Et le coup de banane côté ma carte un ami qui l'a porté ils agit trop cher ils agit pas le coup écrit et connecté qui vient à 600 minutes est-ce que ça lui le coup la barrière au fallait ça la kilobi les abat le coup fait effort pour que ça le coup pour que et comment le coup on a résisté le coup au fallait coûter une autre alors très bien dit voilà tout dépend il y a ambition objectif à atteindre et voilà donc fallait l'avait fait en quel temps il pensait à quoi est-ce que il était bien préparé pour le faire donc ce sont des choses comme ça et puis demain il y a Bilamba demain la business il s'est rappelé encadrement c'est ça il faut s'entourer de professionnels il y a secteur voilà donc je crois que Ferregola bien avant n'a jamais donné un projet pareil donc si maintenant il se lance d'un côté vestimentaire et puis côté parfum c'est qu'il se sent prêt déjà l'avantage est que Ferre est soutenu par une grande communauté. Bagoulois, les Gaulois, c'est déjà une famille, en fait. Il y a des Africains qui aiment Ferré aujourd'hui, les Congolais, même aussi les Européens. Et donc, il va en profiter, na orange dans le lot, na succès dans le lot, pour qu'il a visibilisé encore une fois ses marques, et ma boutique, elle a ébélé, et ma tout va s'en procurer. Donc, Ferré doit éviter peut-être les erreurs, et ben, comme Soussou. Et pour faire une marque, il faut être aussi populaire. Sans avoir un soutien populaire, je pense que ça sera une bonne affaire. Mais sans avoir la batouté derrière you, tu peux créer une marque et vous allez la perdre. Donc, dans le moment où vous allez le faire, vous allez la rage, vous allez la rage. Et j'ose croire qu'il fera un très bon business. C'est ça mon souhait, voilà, tant que Congolais. Voilà, souhait à Jérémy Luemba, le rôle à Congolais, mais jusque-là, Tozali n'a pas été le barakable parce que. Les gens ont source à de confirmer ça. Date, artiste, il fallait pour pas. A chaque fois, on a un concert, on a un double concert à la Stade du Martyr. Les Alipé, jusque-là, tout ça, l'affirmation. Mais Alipé, date, l'artiste est Ferrego, là, à Mekiko prévoir, pour créer, pour organiser, pour aller au festival, pour produire des jeunes talents, pour faire ça, pour faire ça sur scène. Est-ce que les Alipé, aujourd'hui, je suis allé à la fin. Bon, ce sont des spéculations, rien encore confirmé, mais le projet est en gestation. L'artiste est Ferregola est une marque aujourd'hui. Alors, si l'homme se donne le luxe d'initier un projet genre Festival Ferregola chaque année, c'est d'ailleurs bien pour la culture congolaise. Parce qu'il y a des jeunes talentueux un peu partout. Je l'ai dit tantôt, chez Namé Yaba, Namonga Fula, Kimbanteke, Kingabwa, Massina Njili, il y a beaucoup de jeunes filles et garçons qui ont un talent en musique, mais qui ne sont pas encadrés, qui manquent d'opportunités. Vous savez, la visibilité, c'est une opportunité aussi. Voilà, tu connais le projet Madjab aujourd'hui, côté gospel. Voilà comment ils ont vendu l'image à musique Nabisso positivement à travers le monde. Madjab encadre les jeunes musiciens profanes et je dirais gospel. Côté Wana, Mike Alambay et ses producteurs. Bah, réussir. Alors, côté profane, il n'y a aucun projet pareil. À l'époque, on avait un projet, le rôle à FIET, Festival International des Étoiles, initiative honorable Serge Kaimbe. Mais écoute ça. Vous comprenez? Je suis en Côte d'Ivoire, on a un projet, le rôle à FEMOA. Ils allaient parrainer par Asalfo, Magic System, et Wemba. Est décédé sur scène, le festival fait moi, et il y a Ferregola qui livre plusieurs concerts là-bas, Ouira et les autres. Donc, ils avaient vitrine culturelle, il y a Côte d'Ivoire. Alors, le Congo, aujourd'hui, il y a la carence, il y a évidemment panafricain, évidemment qu'on peut considérer comme étant une vitrine culturelle pour les jeunes talents. Alors, Inos Bi, il y a un festival, Gezmao était pareil, Fiston Bouy, Anita. Il y a fruit à concours. Concours ou festival, les gars. C'est un peu similaire. C'est un peu similaire. Donc, je crois que Ferregola
avec ses projets, mm-hmm. moi je le soutiens. Ok. Et ça bien pour la jeunesse. Mais pour la date, le Cambois date, c'est polémique parce que le jour où Ferregola livré le concert à la Stade des Martyrs, mm-hmm. le 24 juin 2023, il y a eu plusieurs activités à Kinshasa. Rappelle-toi, ma marche de santé, concert, il y a fait, il y a Wilson pour les pêcheurs en okay. télé, mm-hmm. la Coste. Ah, on a stade municipal à Massina, mm-hmm. Roga Roga à Brazzaville. Mm-hmm. Donc, les journées, comme une autre journée, faire une soirée à festival, peut-être à Tata Raphaël, mm-hmm. ou bien à municipal, ou bien à. Tata Raphaël, les gens sont occupés, hein. Bon, pas vraiment totalement occupés officiellement, mais quand même, c'est le Abaké Rosalavana. Bon, on verra la suite. Mais il y a une date normale, les 10, les 11, une date normale. Mm-hmm. Donc, tout le monde peut vaquer ses occupations. Mm-hmm. Donc, on a un affrontement parce que un concert mm-hmm. normal, un festival, il y a un jeune talent, il y a un programme monté. Ok. Voilà. Ouais. Je remets le bas. C'est pas un festival. Non, c'est pas la télé, les Zali Congolais, les Zali culturels. Il y a beaucoup de choses qui sont les Zali Bongo. C'est une initiative à louer, en tout cas, à encourager, parce que le lot, bah, j'ai les belles, bah, j'ai manqué opportunité okay. de se propulser, mm-hmm. manque d'encadrement, et voilà. Il y a des talents gâchés comme ça, hein. mm-hmm. un jeune qui chante bien, mais Azana soutient, mm-hmm. manque à sponsoring, mm-hmm. manque à opportunité, et bah, talent est belé pour fille. Donc, ce qui fait Rigola, étant le lot un modèle pour la jeunesse, mm-hmm. étant une superstar aujourd'hui, okay. étant un artiste international, peut quand même regrouper, sélectionner, mm-hmm. bah, nos amitiés, bah, c'est promouvoir côté art. Okay. Même Batayina, bah, on est d'accord, ils ont fierté pour la musique, la vie, pour la culture en Boka. Voilà, Jérémy Lemba, tant que tu as marronné l'émission, bah, tu vas s'éteindre trop parce que c'est. Ils ont déjà l'émission, ils ont tellement réfléchi. Bah dans moi tant y a Colanda yo parce que aux autres canisa na moto na yo aux autres misapi makambo aux ali na moi sens moro normal mais quand même il y a là il faut dans le bas de nos confrères parce que aux ali pené le col en gros respecté peu Charlie Prince j'ai suivi une émission où voyez que ça là par rapport il y a statistiques à Taraki le lingue a vu tant mesurer popularité il a compris que l'artiste Fally c'est l'artiste le plus populaire du Congo actuel et j'ai mis le mot par rapport il y a sondage na yoana. Bon, nous sommes dans la démocratie, chacun est libre de mettre son point de vue. Ok. Et ça, opinion, Charlie Prince, mais Aïm Sanga, sur quel instrument a sali balance Wana? Le nom de Zomona, chaque artiste, a sali ma fan. Derrière Fally, c'est cache des warriors. Uh-huh. Et derrière Ferregola, il y a des Gaulois. Okay. Et ça, ma famille, et ça, ma communauté. Alors, s'il dit que Fally aujourd'hui est populaire que tout le monde, mais il faut approuver. Je vous dirais que Fally a deux dates en Europe. Un concert à Lyon et l'autre à Bordeaux. Mm-hmm. Jusqu'aujourd'hui, pas de sold out. Vous comprenez? Okay. Bon, il a des fans, mais qui n'arrivent pas à lui donner un sold out dans les délais. Mais ma grand hôte, bon, à la poteau, bah, aussi, j'ai Nino, j'ai Gims. Bah, on s'en va sans mettre l'espace à 24 heures. Mm. Il y a un jeune musicien qu'on appelle Taïk. Il est camerounais. Camerounais d'origine. Il a un concert qu'il doit livrer au mois de novembre 2024. Paris La Défense Arena. La U Arena. Mm-hmm. Mais il a déjà fait un sold out que le Congolais Fally n'a pas fait. Donc, qu'on va populaire, quand on a roulé. Là, vous confirmez que Fally n'a pas fait un sold out là. Non, Fally n'a pas fait. Fally a fait à peu près. À Sali sur le thé. D'ailleurs, il y a un magazine parisien. Les Parisiens a publié qu'il fallait faire 34 000 personnes. Près de 34 000 personnes. Ça, c'est les Parisiens. Okay. Tu vois ce qu'il y a une anthologie par les Parisiens d'investigation? Bah, ça va être le roi Abisso. Bah, mais ils ont la seule français. Ok. Ils ont un journal français. Mm-hmm. Bah, oui, bah, Sali. Mais bah, t'as la papa d'habillé vendu, acheté, tout ça. Bah, ça, la statistique, bah, ça, là. Magazine Les Parisiens a dit que Fally a fait près de 34 000 personnes à U Arena. Bazarakouna à Paris. Ok. Bah, ma casse d'investigation. On a été équilibré à la télévision, on a contribué les Parisiens. Vous comprenez? Mm-hmm. Ils ont tous les moyens possibles pour faire les investigations. Tous les moyens possibles. Ils ont tous les moyens possibles. Okay. Ils ont dit ça. Donc, ils ont opinion à Charlie Prince. Actuellement, Tomoni Moïse Mbi est dans le stade des Martyrs.
Le plan de Moïse Imbi dépasse le plan de Fally Ipupa. Pas seulement, il y a Tchaga, il y a Fally Ipupa, il y a Ferreté. Non, Ferreté a fait mieux que Moïse Imbi. En quoi Ferreté a fait mieux que Moïse Imbi? Non, Angouma. Pense à moi, il m'a joué en avis. Angouma, il a vu total le jour à Ferreté. Ferreté, Aza, le seul musicien et génération de l'eau, aux yeux profanes dans le gospel, génération actuelle, et un matin à podium à 16h. Un grand défi. Il est venu pas par plaisir, mais parce qu'il y avait déjà un stade archi-comble. Okay. Ferré monter sur le podium à 16h. Moi, et Bima, moi, ils ont dit, mais moi, j'étais distrait avec toi, Libanda. Mm-hmm. Au Ferré Mati, tu côté. Il y a eu problème pour rencontrer la fosse. Mm-hmm. Et on a trouvé l'espace pour se mettre, pour mener le Ferré Mati à Zoemba. Ferré Mati à 16h, moi, Zimbé ne l'a pas fait. Déjà, public, il y a eu un concert à faire, il y a 15 heures. Ils ont dépassé, ils n'avaient pas mis. Ils ont dépassé, ils n'avaient pas fait. Et pas Fally. Donc, tout ça, c'est quand même honnête. Moi, je ne fais pas les médias, il y a mensonge. Okay. Je respecte ma conscience. Je respecte les fans qui nous suivent. Mm-hmm. Maman, Charlie pense à nous, ils allaient peut-être. Mm-hmm. Ben, c'est un regret. Okay. Charlie pense à nous, il a de l'expérience dans la matière et les médias. Ok. Il était le premier à insulter Fally. Il a même dit une fois que Bagou, Baba Warrior, Baza Fanny, Baza Zoba. Tu te rappelles, non? Mais il a dit beaucoup de choses autour de Fally. Il a commis plus Warrior que des vrais Warriors. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Mais il doit se mettre à sa place, à respecter quand même. Il de son côté, à Zoba, le coup, la vérité. Mais. Il a évité. Bon, là, on rentre dans la politique avec Bakanivote. Ça, c'est trop bas et voilà. Tous les meilleurs artistes, Fally Ferré, Mbille, Kalambay, ils ont besoin de promotion positive. Tous les gens, tous les gens qui sont congolais, ils ont besoin de bien. On peut critiquer, là il faut critiquer, mais pour toucher ma personnalité, ma vie privée, ça, je ne peux jamais entrer. Donc, voilà, mais pour la polémique, il y a, pas polémique, mais à côté là, classement, la fonctionnalité, le lingue stade des martyrs, est-ce que vous fiez les alliés pour matin 16h? Tout défi, ils allaient finalité, nombre de personnes, on va continuer à assister à la concert-là. Défi, ils allaient bien, ils connaissent bien, un très bon son, parce que la salipe constante, mon moni, tout ça, ma congolais, tout le monde va rappeler la vérité. Ok. Bah, tout le monde est bien la stade des martyrs, mais son, mais tu as fait rien dans ton monité. Bon, on dit. Héritier, il va bien, son, il va bien. Ok. On dit, l'andap, il va bien. On dirait, son, il va bien, moi, bien. Ouais. Mais plein, et tout au rendez-vous. Le premier artiste gospel qu'on allait faire ses plaies. Le big Mbi, il y a plein, vous regardez, il y a ça là. Mais je vous dis, là, on les a constants, on a la salle. Viens là, Denis Lessi, c'est mon pote. Là, viens là, tout ça. À ça là, ma foule, mais foule Mbi, à ça là, t'as la même image à drone. Et c'est archi comble. Hein? Il faut savoir féliciter aussi les autres aussi. Ok. Sur votre retard là, ou bien. Ton hôtel a suivi autant Kalambay Aroya, tant Kalambay Aroya, s'il va égaler, égaliser, s'il va faire mieux que Mbille ou comment. Mais côté son, son est impeccable impeccable à y s'en faire. Ok. Mais son héritier Watanabe. Et bon, son a Fally. Son a Fally, bon, Fally doit être à autotune. Ils ont déjà mélangé. Est-ce que. Et vous avez la troisième position ou quatrième position. Mais lorsque vous parlez d'autotune, autotune, c'est un logiciel qui a gâté. Polémique, on a pris. Il y a un caca, bon, on a arrangé son, ça passe. C'est un logiciel. Et j'en sors, écoute, faut rappeler. Il y a un moyen de l'émission, il y a un moyen de réparer autotune. Écoute, faut rappeler. Ils ont pareil. Ils ont appelé décharger, vous avez un souper. Et ils ont mal placé, voilà, ça rate. Et là, il y a un logiciel, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Voilà, Jérémy Lumba, le quoi tu évoquais qui capait à ma Moïse Mbille, tout le monde a vite fait. Tout le monde a vite fait. Après Mbille. Mais ce que tout dans la ligne, ma pasteur, ma chrétien, pour toi, ça là, le plus grand plein, ils ont passé à Sonic Afuta. Et bon, Wale ça. Wale ça, oui, à ça là plein. Et bien, Sonic est qui? Il y a Sonic Afuta. Rockman, le général, il est qui? Il y a un qui est général, il y a un qui est en train de se faire. Il y a une foule. Donc, il y a une unité de mesure. Voilà. Tout le monde, Moïse Mbille a un petit concert. Après, Mbille, il y a Mike Kalambay. Est-ce que Mike Kalambay, il faut assurer. Parce que là, tout le monde a polémique, il est belé. Il y a des gens qui ont conclu en disant que le concert est Mbille, ils ont quitté la œuvre de Mbille. Pour la bande de Kamoussou,
cérémonie y a entré na ezalaki penza y a bonzambete. Mais si quoi pour na pasteur Mike Alambaye, est-ce qu'il faut y être aller na défi na relever défi ezaki non faut na ça la plein tout attendre bonzambé na katia concerne. Écoutez on a moins différence là. Détail. Ça c'est une très bonne question. Okay. Bon, c'est une question qui mérite plus les serviteurs de Dieu. Mm-hmm. On m'a dit bah prophète mais bah mon a raté. Ok. On a prié là, nous avons voyanté. Bah on a mon a la spiritualité. Pour mon spectacle au pasteur Moïse Mbi a passé du sou. Bon, je me demande, ils ont bana ina, ils allaient le préparer et voilà, on m'a dit habillage wana. Okay. Les hommes cagoulés, là bah flamme wana et tout. Et si quoi, tout le monde a ce genre de pratiques mingi dans les événements, ils ont plus païens. Il y a un moment épicé bah tout chimique au bagage non les alliés démonstration il y a illumination et c'est la franc-maçonnerie et tout ça mon bah tout balobi bon mais là là mon salon zambé t'es pour na décortiquer en haut clairement que les actes ne doivent ainsi de suite Mike Alambaye et puis faut soutenir une chose Moïse Mbi a bénéficié du soutien de beaucoup de pasteurs ces billets ont été vendus dans l'église de Béli bah t'es qu'on a Sans précieux. Philadelphie et, également. Et pas un jeune Francis, Mukuna, Vé, Mutombo. Donc, bah, t'es qui a un poste dans l'église de Bélé. Il a bénéficié, d'abord, il a bénéficié quand même du soutien de l'église de réveil. Okay. Et puis, Mbi, Aza, pasteur, père Mingi, considéré le roi fils. Okay. Parce que son père, papa Emmanuel Mbi, personnellement, Azali a mis pratiquement Bamukuna, tout ce monde-là. Alors, lorsque leur fils a un rendez-vous sacré, quoi apporter quand même leur soutien. Okay. Et alors, Mike Alambaye, il est peut-être aux élections, va passer, va aider la promotion, la vente de billets, aux une bonne chose. Okay. Mais Azali Majabu, Azali Label Naye, parfois, Azali Marque, il est même sur faire la promotion. Okay. Mais le défi reste quand même le lot, Koyem Babien. Qu'on s'est à la plein, et puis le réseau Maman Bounzambé, tout sentir pleinement l'onction qui bat tout bas, Yambi Jésus-Christ, et à la plus, ma camomore de Jésus, qu'on cadre la Bible, ce qui est conforme avec la parole de Dieu. Je crois que le monde sera très content de ça. Voilà, tout Zonga, l'artiste Ferré qui va livrer son concert, la Katia Genève Arena, le lot déjà côté billetterie. Alors, côté billetterie, je ne calcule pas, je ne contrôle pas, mais selon les plusieurs sources, que ça marche bien. Mais on peut aussi lancer un appel à Bagoulois. Et c'est le moment de faire un soldat avant l'événement. Donc, quand vous êtes supporter, quand vous êtes fanatique, il faut savoir soutenir l'artiste. Procurez-vous, on a mis quand même boutique Ferré Store, délocalisée à l'hôtel à Genève. Et puis il fait rigoler le loi dans la marque avec ma vêtement naïe ma beauté comment parce que bango bas c'est procurer nango davantage acheter un t-shirt personnalisé de faire rigoler et puis habiller bon bango rapidement pour que l'artiste ait la paix à l'aise ait la morale moro tranquille et donc voilà c'est à eux les fanatiques bas c'est procurer habiller voilà Jérémy Lemba ngala olinga esa question mon on posé ngo mais na olinga pesa na moi sincérité voilà Azana Bejoz en a moi réponse aux Alafrans parce que Tomona le dernier concert a fallu. Dernier concert a fallu dans la salle des martyrs le 29 octobre. N'est-ce pas ça? Et parmi les gens qui jouent plus la communication, ils ont qui Ken Piana, toi qui n'a pas de casse, toi qui n'a pas de manique, qui n'a pas de casse, qui n'a pas de couleur, moko, la promotion artistique. Denis Lessi aussi. Denis Lessi aussi, qui n'a pas de forme dans la concert. Est-ce que quand tu as la concert, double concert, il y a la salle des martyrs, il a fallu ou pas? Vous pensez que nous avons des coups à Zali ou à sur place par rapport à comment nous avons, par rapport à Borana Bango, par rapport à la mesure pour que l'image image artiste positivement pour la concert. Bon, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est vrai, il fallait être un Congolais. Ce double concert à l'heure actuelle, est-ce que c'est un défi? Est-ce que ça a l'air au cas pour montrer aux gens? Est-ce que c'était le moment opportun? Voilà des questions qu'on peut se poser. Parce que l'artiste a déjà joué il y a un an et demi, je crois. C'est Stade des Martyrs. Ils nous avaient promis qu'ils auraient retourné Stade. Alors, un an et demi après, lui-même dit encore que non, Stade Wana et le Morobo est rattaqué. Mais il va encore y faire. Entre-temps, il y a aussi beaucoup
parmi nous, Congolais, mais au Bétango, c'est propre. Mais c'est Moïse, il m'a dit ça n'est propre. Okay. Vous comprenez? Personne ne s'imaginait que l'artiste est retourné dans le gospel chrétien, il m'a appelé le stade des martyrs. Donc pour nous, le stade des martyrs n'est plus un défi à relever. Ce n'est plus quelque chose de nouveau. C'est le plus spécial. Donc, Fali pouvait se concentrer à autre chose, à mon humble avis, que de revenir encore au stade des martyrs. Parce que la première fois, il y avait la curiosité de tout le public. Les wingemen, Bagolois, les gens qui sont pour Fali, pour Kofi, pour Wata. Cette curiosité a ramené beaucoup de gens au stade. Total à Fali, on s'est dit, une première, la cinquième génération. La stade des martyrs, tout à l'heure. Mais actuellement, avec les climats polémiques, les injures, cette division fanatique, est-ce que les Warriors seuls ont rempli ça pendant deux jours? Parce que dans le premier concert, même les Golos étaient là, les Wengemen étaient là, par curiosité. Mais actuellement, ils sont divisés, ils sont déchirés par rapport à la polémique, insultes, consorts, vie privée. Vie conjugale, ainsi de suite. Le terrain n'est pas propre. Est-ce que moi, la Wigny, a eu ce concert à Fali? Ou ta Wata, a eu un concert à Fali? Ou ta Ferry, même par curiosité, a eu un concert? Donc, la charge revient maintenant aux Warriors. Faut pas ça la peine promotion qu'il faut. Faut pas ça la vraie promotion qu'il faut. Parce que Martyr est mon ennemi. Gaïa. J'étais là, la concert à Mbi, la barateur, c'est la talibou, là, monsieur. Est-ce qu'il y a autant? Ah. Dans les bandes, il y a la population, j'ai dit, il y a autant. Mon pétone. Mais, quand tu as martyr, le long dans le lobby, ce n'est pas une messe facile. Donc, il fallait se concentrer. Ce communicateur, base à la focus, l'événement, voilà. Au lieu d'insulter d'autres artistes, au lieu de suivre la vie privée des autres, maintenant, on les a mis lourdes responsabilités. Si la promotion échoue, tout est caduque. Bien sûr, vidé. Mais oui. Je vous dis sincèrement, on m'a dit, concentré, je vais faire un stade. La campagne à l'américaine, avec des automobiles un peu partout, venez acheter les billets, porte à porte, et c'est comme ça que Ferra a réussi. Moïse Mbi a réussi parce que, et des églises où basoki ba loi ba billet ba tekeli ba ndimi na bango et tous les chrétiens ba conjuguer les mêmes énergies ba continuer à stade à Moïse Mbi. Vous comprenez? Alors le Lofali a pratiquement isolé des autres artistes en alliance na mututé la Kofi ça ne marche pas na Ferré à diversité na wa robinyo mundibu azana ba gaze ma wete za ba tope ba ko chapoa ou bien sûr ba chapoa mais za ba poids moko poids mouche. Pas mouche. Bien sûr, mais ils ont ça de martyrs. Bah, on tient là-bas au poids, c'est vrai, c'est bien. Mais avec quel poids? Vous comprenez? Bah, on peut s'aider. Mais, celui, par exemple, tel monsieur a dit que non, ensemble, il a fallu pour 500 billets. C'est bon, mais 500 billets dans ça de martyrs, ce n'est rien. Ils ont goutte d'eau dans l'océan. On se comprend? Mais ensemble, à 300 billets, 200 billets après. Donc, les Warriors, d'abord, vont se concentrer, base à la conscience, la responsabilité au Fala Pissibango, pour que l'artiste soit toujours au top. Donc, voilà. Voilà, Jérémy Lemba, est-ce que les lobes, comme on a été content, Maniké, Ken Piana, vous avez une pièce manquante pour un événement? Je crois qu'il faut une nouvelle stratégie. Il faut une nouvelle stratégie. Ken Piana a beaucoup fait. Il bougeait aussi les lignes, Ouais. Pour Fali, ça il faut le reconnaître. Maniké pareil aussi, a beaucoup fait la communication naïe. Et Mbuta, il est avec Roga Roga. Et voilà, il y a quand même un grand vide. Et Lelo, je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner. Est-ce qu'il y aura des billets distribués? Est-ce que Zassou Mamakib Magie, Osuni Magie, Osu billets, facilitant on peut s'habiller, peut-être ça. Ça peut aussi appeler les gens, voilà. Voilà, là on doit conclure plutôt. Héritier Watanabe, album Chemin de la gloire. Jusque là, n'aimbi que Ezaki na moi ba titre au toi ko yo ka moi ming na ba. Mais quand là le lengue artiste a procédé na promotion na est-ce que tu veux que le baquet a promouvoir penza album to a meko kitia so album?
Chemin de la gloire, ils allaient un projet très riche. Ok. Alors, la musique rumba, la musique typique congolaise, et pas mal de titres. Ils ont un chef-d'œuvre belé. Ok. Mais il faut reconnaître que l'album Mwane Bimi, pendant une tension et polémique, okay. Ferré Gola, Duba Dida Sarena, Fali, Ferré, tout ça, Mwane Bambri, voilà. Et les gens étaient un peu ailleurs. Mais lorsqu'on a quand même eu le temps de suivre des chansons, on a compris que un projet merveilleux que, que l'artiste héritier nous a donné. Et donc, rien n'est tard, la promotion continue et doit toujours continuer. Héritier, c'est parmi les bons chanteurs de ces pays. Ouais. Il est fort en live à Ebi Music et puis à École Wenge. Donc, tu peux s'y héritier encore une fois. Bah, courage et belé et surtout une bonne chance. Okay. Alors, maintenant, les spiritas doivent se réveiller. Beaucoup sont distraits. Même l'équipe de marketing à Ouattara est distrait. Parce que Ouattara a déjà dit qu'il doit livrer un concert à Paris au mois de septembre. Et actuellement, je vois pas vraiment de chaîne YouTube 100% spiritas. Exacté. La promotion n'a pas encore démarré. Vous attendez quoi? Héritier ne peut pas tout faire. Il est leader, il est musicien, il a une responsabilité. Il a pris sa bonne opportunité. C'est à eux maintenant de se réveiller. Parce que concert au Héritier est à un niveau à Paris. C'est cette production qui va relancer même. Qui va relancer en tout cas la carrière de l'artiste. Réactiver aussi. Ouais. Parce que Héritier a raté l'opportunité des Jeux Olympiques de Paris. Okay. Tout était mis au point. Tout était préparé à sa balance. Par la méchanceté des Congolais et les combattants à cette époque-là, il a étouffé le concert. C'était déjà un point qu'il voulait marquer à l'extérieur. Malheureusement, la méchanceté des hommes, ça n'a pas tenu. C'était un regret pour nous autres, pour tout le monde, pour tout Congolais qui se respecte. Alors, l'occasion est donnée dans le mois de septembre. Je demanderai à Babisso, les hommes des médias, Spiritas, réveille-nous. Tout soutenir Ouata, à bêta. Parce que Ouata est marabien. Il y a des concerts où on est aux Alas. Il y a des archives, il y a des musiques en boucle. Il y a un répertoire riche. L'album est un mélange de mots. Il y a des gombes, même à Paris, il va bénéficier d'un concert en anglais. Ok. Vivant maintenant en live. Voilà. La retirade, il y a aussi des très bons sons. Soit on a mis un jimmy des mots. Soit on a yemba. Et puis soit on a ramassé les sous quelques chansons. Ou à tel album, le roi, chez Ouera, la trésor pour tout et consort. Confession intime et autres. Donc, Ouata a des chansons à un répertoire costaud qu'il peut aussi balancer au niveau scène européenne. Donc, moi, je le soutiens à, quand même à 90%. Et tant que Congolais, la PC est bonne chance. Les Spiritas, réveillez-vous. Ouata doit prendre cette production en sérieux. Atika vous pour rêver. Avant de au sérieux. Allah t'a vraiment. Cette fois-ci, il faut Simba. Ce n'est Simbi. Et ça sera quelque chose de bien pour le reste de ces événements. Le reste est tourné naïe. Et le reste est carrière naïe. Voilà. Voilà, tu reviens à Souka. S'il faut lancer un message, tu as dit que non, je dirais merci à tous les Congolais, merci à tous les mélomanes de la bonne musique, merci à tous les compatriotes, merci à vous pour l'invitation. Et nous sommes un seul peuple, une seule musique. Restons quand même soudés. Et cela va encore valoriser davantage notre culture. Je vous aime beaucoup, de partout où vous nous avez suivis. En tout cas, clin d'œil spécial à Mimi Ndoumé. Depuis Mouching là-bas, en Allemagne, je pense à Luzombala de Madrid. Nos sincères condoléances à vous, Luzombala de Madrid. Et merci à Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi, Forza Italia. Pourquoi pas aussi dire merci à mon vieux grand frère propre, le célèbre Dion Dundu à Washington, Gérard Sadam à Manchester. On est ensemble pour de vrai. Et à mon président Pedro Mutu, leader à jeunesse,
association main dans la main depuis la ville Fontaine aussi partout la France. Que Dieu vous bénisse. Vous avez belé un peu partout. Le monde fou Mozing Jean-Claude chef coutumier à Paris et Bavena Bisso tout Bolinga Bisso Serge Leco qui est mannequin à Paris. Nous sommes là. Merci à toi Kevin. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Invitation au la ardoise. Mais avec Diven, bah, invitation en bois. N'est-ce pas que mon Joseph, tata mon collègue. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow le lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon collègue, fait, il attend ma vie. Mais en Diven, à bossa l'immunité. À télévision, mes promotions. On a l'air à Pamba. Mais en Diven. Bah, il n'y a pas de capoété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, on était là avec Jérémy Bemba et ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Vraiment, je vous dis un grand merci. Et merci à Papa Clovis et à Maman Doris à Fimpa. Merci à Aimé Kunku. Merci à Germain Mwanza, okay. Congolais à Brazzaville, vivant aux États-Unis d'Amérique. Okay. Germain Mwanza, au nom du cœur avec vous, merci beaucoup. Voilà, merci. Na sans coup, le nécessaire coffre fort à Poto. Il y a maman Aimé Kunku. Roi des Golbi Nangama Kofi, Nakati Amen. Et Moti Nabatu, tout Balingrapso dans l'ensemble. Le vice, bourgmestre de la commune limitée, maître Isaac Mokende Tichimbi. Merci. Nabatu, tout Balingrapso, magistrat Christian Zongo, maître Jétro Mwaila. Et papa Freddy Pindi, le monsieur qui assure la sécurité, et la fête Lady, et bah tout le monde est vraiment tout ça, ensemble, il y a un tout bon sanité, tout ça, awa, pour nous recevoir la bino Moussala, ou à mon loco la remarque, ou à mon loco la, les caméras qui ont fait la suggestion, ben Maurice a affiché wana, au banc de l'écran, comme il y a un biso, tout ça, tout vous a rappelé compréhensif et vous allez appeler bien, au lieu de placer votre tombeau dans vos commentaires, il est important, comme il y a un biso en privé, tout ça bien, n'engagez pas tout. Je vous dis prochainement et la bonne santé Charo derrière la caméra, Arnaud Matoumou dans la régie finale. Là prochainement, tout le monde et là portez-vous bien. Bye bye.